Par Belzébuth et Satanas de Pique, esprit, si tu es là, fais-nous un signe. J'ai quand même un peu l'impression que les esprits se foutent de ma gueule. Salut! Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, c'est la spéciale Halloween. Non, je vais vraiment avoir ce rire-là à chaque fois que je vais dire Halloween. Bref, aujourd'hui j'ai choisi deux e-books bien dans le ton. Alors oui, effectivement, j'aurais pu taper dans le best-seller genre Eugene Burger Spirit Theater, parce que c'est vrai que ça se prête bien à Al... À vous savez quoi? Sauf que c'est un livre physique. Et ouais, donc j'ai pas le droit d'en parler. Mais il est quand même vachement bien. J'aurais pu aussi parler des e-books et des séminaires audio de Bob Cassidy sur le sujet, mais bon, c'est tout ce que publie Bob Cassidy, c'est comme le whisky, ça défonce. Pas vrai, Bobby? Mine's coffee. Oh, mine's not. Du coup, je me suis rabattu sur du pas trop connu et du franchement pas connu. On y va? Thanatologie est un e-book de 2010 de Derek Renfro qui va vous permettre de communiquer avec les morts. Monsieur, un sarrasin! J'ai dit les morts. Pour 15$, on a un e-book de 32 pages, le tout découpé. Mais seulement en 3 parties. Première partie, les vivants et les morts. Ce classique du mentalisme à tendance spirit vous est décortiqué et 3 routines vous sont expliquées. Deuxième partie, 4 effets à réaliser dans le noir absolu. La troisième et dernière partie, encore 4 effets à faire quand bon vous semble et en pleine lumière. En bonus, Séance of the Mind, une puissante routine psychique pour mentalistes avancés. Et également Dark Oracle, un moyen pratique d'accéder à une information et de faire un reading. C'est très intéressant, ces approches amènent beaucoup de réflexion. Je m'étais appuyé dessus lors d'un spectacle de spiritisme théâtral que j'avais écrit pour un festival, et j'en avais extirpé quand même pas mal de bonnes idées. C'est écrit de manière compréhensible, en plus c'est le premier e-book du monsieur, donc c'est respectable. La partie sur les tests des vivants et des morts est très très intelligente. Dans cette partie, il y a des techniques vraiment intéressantes. Je pense notamment à une équivoque qui est quand même très très bien construite, et une subtilité linguistique qui est vraiment, vraiment intéressante. La troisième partie sur les effets de spiritisme à faire en plein jour a de très jolies trouvailles également. La mise en page. On est dans des effets en rapport avec le spiritisme. Moi, j'aurais voulu qu'ils me vendent du rêve. Ou du cauchemar. Peu, voire pas du tout de côté historique, ce que je trouve un peu dommage. Par exemple, on le retrouvait, le côté historique, dans Spirit Theater de Eugene Burger, même si j'ai pas le droit d'en parler. Alors l'auteur doit sûrement partir du principe en fait que soit Google est votre ami, soit vous avez déjà les connaissances de base. Également la partie sur la dark séance, qu'on appelle la séance dans le noir absolu. Du déjà lu, du classique, un truc un peu faible avec des delays que j'ai pas osé tester, peut-être je me plante, mais à la lecture, ça m'a pas vendu du rêve. Et en plus, pour produire ce genre d'effet, à mon avis, il y a des techniques bien plus pratiques. Et en même temps, comme disent Cassidy, Voudini et tous les autres qui sont passés par la case spiritisme mentalistique, j'ai envie de dire qu'une ambiance correctement mise, dans le noir, on laisse faire l'imagination des gens et ils vont flipper tout seuls, en fait. J'avais passé un très très bon moment en le lisant et en trouvant des idées, des choses comme ça pour mes spectacles. Et là, en l'occurrence, le fait de l'avoir relu pour cette critique, j'ai encore redécouvert des trucs, ça m'a remis des trucs en mémoire, donc pour moi c'est du tout bon. Je vais mettre 8 pixels sur 10, parce qu'on sent que le mec sait de quoi il parle, on sent qu'il a, travaillé le sujet, on sent qu'il a travaillé dans le domaine, et malgré les quelques faiblesses abordées, ça mérite largement 8 pixels sur 10. «
Tout d'abord, quelques mots sur Paul Voudini. Il est loin d'être un inconnu dans le domaine du mentalisme orienté paranormal, voyance, etc. Et pour cause, il a déjà pas mal de publications à son actif. The Haunting of Paul Voudini est une compilation d'effets directement issus du milieu du paranormal et de la longue expérience dans ce milieu de Paul Voudini. Pour 20$, on a 7 routines. Hot Stone, un petit objet comme une pierre, un cristal ou une clé hantée est tenu par le spectateur. Soudainement, l'objet devient de plus en plus chaud. Le bras du spectateur se fige alors que l'énergie de l'objet augmente. Et le poids de ce dernier se fait si lourd que le spectateur n'a d'autre option que de le lâcher. Automatic Writing. Un volontaire est choisi et, assis à une table, tient un crayon dont la mine repose sur le papier. À votre appel, les esprits entrent dans votre volontaire et font un gangbang. Non, c'est pas ça. Et un étrange message apparaît sur le papier. Ouais. The Spirit Rope. Deux volontaires tiennent une corde. On éteint la lumière et les esprits se mettent à agir sur la corde, essayant de la retirer des mains des volontaires. The Effect of Darkness on the Human Mind. Un court essai sur le pouvoir de l'obscurité sur l'esprit de nos spectateurs et comment nous autres, hommes de mystère, pourrons en tirer profit. Human Pendulum. Dans l'obscurité, les esprits entrent et commencent à se faire balancer vos volontaires jusqu'à perdre l'équilibre. Pendulum Induction. Une nouvelle et originale induction avec un pendule. Two Objects in the Room. L'ensemble de vos spectateurs sont mis dans une transe légère et partent en voyage sous vos suggestions pour visualiser deux objets dans leur imagination. Du jazz mentalisme pour mentalistes n'ayant peur de rien. Oui, alors c'est vrai, on dirait que je suis en train de lire dans Eugene Burger, hein, je n'ai pas le droit de parler, mais en vrai non, c'est parce que j'ai ma feuille de pompe à l'intérieur. Voilà. Je ne vous cacherai pas que je suis super fan de Paul Voudini, vraiment. J'achète quasiment toutes ses publications. The Haunting of Paul Voudini faisait partie des lectures en boucle avec Thanatologie du test précédent quand j'écrivais mon spectacle sur le spiritisme, tout comme les écrits de Bob Dieu Cassidy. Certains d'entre vous auront peur de tenter car il y a plus de suggestions qu'autre chose, mais c'est effectif, dans la bonne atmosphère et les bonnes conditions. Mais il n'y a pas de truc dans le sens gimmick du terme, même si, pour moi, la suggestion est déjà un truc, mais ce n'est pas le débat ici. Ça fait vraiment travailler l'imaginaire. À la lecture, on est emballé, on visualise comment tout va se passer quand on le réalisera, comment on pourra placer les suggestions, les ambiances. On sent vraiment que Paul Voudini aime son métier. Rien que dans l'intro, il précise que même si ses expériences sont issues du milieu du paranormal, lui pense en fait que ça fonctionne grâce à de la psychologie, des réponses physiologiques, du conformisme social, mais qu'après tout, on ne peut être sûr de rien, qu'on ne peut pas tout savoir et que du coup, il laisse toujours une grande place et une grande porte ouverte au paranormal. Et moi personnellement, j'aime cet état d'esprit. J'aime cet état d'esprit parce que du coup, Paul Voudini est très très loin du magicien hautain qui sait tout sur tout et surtout que le paranormal, c'est bidon. Voudini a une vraie humilité, ça fonctionne. Il pense que... Il laisse quand même la place au doute et au final, personne ne peut être sûr. Point. Et je suis entièrement d'accord avec cette position. Parfois, j'aurais voulu qu'il rentre un tout petit peu plus dans les détails et qu'il raconte des anecdotes personnelles. Je pense que ça aurait motivé les lecteurs à tester réellement ses expériences. Même si elle n'est pas toute jeune, encore une belle publication de Paul Voudini pour celles et ceux qui aiment le genre. D'ailleurs, si vous aimez le genre, regardez un peu toutes ses publications, elles sont toujours très très abordables et il y en a beaucoup 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 sur ce thème. Ça peut être un vrai plus en termes de jazz mentalisme à tendance spirit pour vos routines qui fonctionnent à 100%. Ça rajoute un petit côté danger, ça rajoute l'excitation de la chose, c'est super chouette. Je pense que The Haunting mérite amplement un 9 pixels sur 10. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce high test spécial Halloween. Les règles changent. Si tu ne partages pas, si tu ne commandes pas, si tu ne suis pas l'écriture sur Twitter, et si tu ne likes pas la page Magitest, j'abattrai sur toi ma vengeance divine. Je te ferai écouter Christophe Maé, et il se pourrait même que j'arrive à te forcer à regarder vivement dimanche. Ou alors pire, je pourrais te passer le best-of de Patrick Sébastien jusqu'à ce que tes oreilles se mettent à saigner.